Bonsoir à tous et bienvenue sur Sensi La Tchala News, très chers compatriotes. Bienvenue dans cette édition spéciale qui sera consacrée aux documents portant signature d'accord entre le Rwanda et l'Union européenne sur des minerais, comme on l'a toujours dit, qui n'ont jamais existé au Rwanda, mais l'Union européenne qui décide de signer ces soi-disant accords pour continuer à prêter main forte aux terroristes et RDF sur le sol congolais afin d'extirper illégalement ces minerais du territoire congolais et aller les partager avec l'Union européenne. Certains Européens députés politiques européens ont décidé de pouvoir enquêter sur la situation, pas parce qu'ils sont du côté de la RDC, mais parce que pour eux, ce soutien à l'égard du Rwanda n'a jamais été justifié au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au peuple européen, des choses qui concourent au bien du peuple rwandais, tant que le peuple européen, à travers les politiciens représentants de ces derniers, ne comprendront pas le rouage de ces partenariats. Ça ne vaudrait pas la peine, il faudrait simplement annuler. Mais vous savez également que ça a été suspendu, cet accord-là, à l'issue de la Belgique qui l'a dénoncé. La Belgique qui, elle aussi, n'entretient plus de bonnes relations avec le Rwanda. On va essayer de trouver des liens entre tout ça et partager ces documents confidentiel avec vous qui nous suivez de partout. Je réitère que le fait de partager ces documents n'a rien à voir avec la RDC. Ne venez pas dire dans les commentaires c'est à cause de tel ou tel autre qu'il y a les documents ou qu'il y a ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Les Européens cherchent à comprendre ce qui se cache derrière les financements réguliers de l'Union européenne aux côtés du Rwanda. Et tant qu'ils ne sauront pas, ils continueront à mettre la pression sur leurs institutions afin d'obtenir des réponses. Alors ça, si la RDC peut s'accrocher derrière ça, notamment en passant par ces députés qui ont introduit des requêtes par-ci, par-là pour obtenir finalement ces documents, ça pourrait aider la RDC. Sauf que la RDC dépouille toujours. Quand ces genres de choses arrivent ou sortent, personne ne parle. Tout le monde prend la distance, mais après on prétend vouloir agir autrement pour venir à bout. Kagame et ces hommes terroristes sur le sol congolais, on va partager cela. Avant, permettez-moi de mentionner, pour ceux qui demandent pour le ministre Constant Mutamba, la situation elle est stable d'où il est. On continue à être en contact avec ceux qui sont avec lui. On ne pourrait pas révéler d'autres informations en attendant que beaucoup de choses soient finalisées hein, après son arrivée, la prise en charge. On va retenir de nous informer de toute façon. Ne soyez pas inquiétés. Continuez plutôt à prier de votre côté afin que Dieu, Azong Saïd, la force pour les Kandenge, avant va empoisonner. Mais je ne peux pas diffuser ces images-là parce que je ne voudrais pas diffuser l'image dans l'intention pour soutenir le ministre Mutamba. Et pourtant, ça a été fait pour autre chose. Donc, je vais zapper. Mais le ministre, il y a développement rural. Je me pose la question, peut-être n'a essu et Simba quitté, peut-être n'a essu à qui place ou à qui n'a pas compétence, parce qu'il n'a rien fait dans l'enseignement supérieur et universitaire pendant Sama 1, Sama 2, ou Azala qui d'ailleurs reconduit. Il n'a rien fait. Bah, grève et les cas qui, bah, situation compliquée pour nos étudiants, bah, bloc et blé, ça m'a quitté. Alors, on peut supposer que Zaki, peut-être que le domaine des forces n'a été, domaine des compétences n'a été, ça arrive, on ne peut pas être compétent partout. Mais là, depuis que Batien a côté à développement rural, on se sentit un peu en bourre, hein. Azana a bossé après on va devenir un bouc à basaline dégainé va devenir un bouc à basan la situation ni information va tu un bouc à biso va tu un bouc à binoté biso va tu un bouc à information biso va tu un bouc à basaline dégainé ni ministre moi dans un gars sali descente na kati à l'olaba moi vu que l'olaba ezali parmi ba province au bate que la bino le quoi na rêve hein, que province telle est vraiment que au gouverneur tel asa vraiment bouena boué boué ba boué vu déjà ma camoana yonso ba cumule ya ba poste tout ça. Bref, Batek Rabino n'a rêve qu'il doit là, tout ça, ils ont développé infrastructure, courant, électrifié, tout, Buenaboué, tout ça. Yoga sur le bandeau, bando sur la Swahili. Oh, ministre, le bapé, Swahili, il y a mon Swahili. Donc, bon, qu'il a le condo, quoi. Pour ministre à comprendre bien, ma camne, les gars, yoga, ma information, le bandeau, on a mis sur le congolais à l'Oualaba. Bazo, pour dévoiler par la ministre, il y a développement rural. Pour l'Oualaba. Tout qu'on a
42 barrières, Moulouana, péage, il faut 100 dollars. Tu n'as pas pu du coup, moi, Excellence, Madame la gouverneure, tu fais ma souka, tout qu'on a ouza na péage, il y a les simple, 100 dollars. À quoi là pour vous dire? Ton indien moulo mami, ou à ton indien moulo mami, ou est-ce que tu moulo mami? Tinto qui a quand ton amoulomba, ni balabana, on a rien à balabana. Alors, il y a simple et peu facile. Donc, le problème, ce n'est pas seulement le contenu de la vidéo. Mais aussi, Nzela, bisiko moindo nzanga zoko tambo la pona kusala ba inspection oyo, kusala ba état des lieux oyo kouye ba akuti ministère wana na situation nini, ba besoin urgent, ezali besoin nini, ba kokote rondenge nini, financement kusala ba ndenge nini, et ate ka fan na bureau te a fan di, te po atambo la capital te ake ina goma te ake ina konwezi capital ya to chef lieu ya lola ba te, ake ina mboka. Pour la ville, parce que tout va être complaisant. Dans la ville, parce que tout va être souvent fait, c'est moi qui ai choisi, parce que je vais filmer, parce que je vais faire ça, parce que je vais faire ça, parce que je vais faire ça. Il y a un peuple congolais. Pour qu'il y ait des découvertes, nous allons dans l'état, nous allons dans le trafic commercial, dans la situation, nous allons dans le monde, et nous allons dans la base, nous allons dans la base, nous allons dans l'image de Bolandaki. Tout le monde, ça, mon sang, madame, tu peux encourager. Donc, sauf que l'autre, comme on a été, attends, finir, changer le côté. Attends, ma fanatique, nos bazars, baso, finger, et changer le côté, tant que ça est le côté. Et changer le côté. Moïndo Nzangi, peuple congolais, Nzela, ils aient pour Koufa. Balobi, l'on a des alliés, province, capitale et à coltan, ce qui est à cobalt, capitale mondiale et à cobalt, et à coltan, capitale céleste et à mini, tout ça. Non, bon toucher na mutubo ete, bon toucher na ete, yeko tubo lo bate, ye, wale, ye, 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 ye. Tala eta ya nzela. Tala eta ya nzela. E pui, elongo batu bozo ko kompon te zake, bisika tu o nzele zakate, peuple kongole, développement pe zakate. Po nyos pe le kananzela, o motoye ko investi a ko le kananzela. O motoye ko tia entreprise a ko zana bo senga nzela po batu na ye a misala, baya ko sa nini baya malembe malembe ko ambo chaka ba ko bazumwa misala bo na bwe ele kaka na ndela o te to lingto sa partenariat songolo po na financement ya projet pakala e senge to somba ba materiel ne sika songolo po ekip la na kati ya province songolo pakala e senge ndela ezala ba to msuka to na ba conseil des ministres on sait comprendre que tel message ezali adressé na ministre tel mais oya ba infrastructure to tika na ko yoga tien. Tosika noko yoka te, pona ngayi, bocha ta mo hino nzangi na plasa infrastructure wana, po azana esti ya upe koluka ndela, koluka weba, eta ezali nini, ata apani na kisate, pona eza rokade, rokade, la construction ya rokade. Priorite, na vi ya bakongole toyebi ya wote. Toyebi kosa la part de chose, toyeba ko diferansye makamte ke urgence ezali boye, priorité zali boye important zali boye to te biso sa ka tumba la moko to sa ka tout na temps normal toutes ces provinces qui sont frontalières dans ba pays qui ne nous sont pas sûrs, des pays qui ne nous aiment clairement pas, des pays qui s'associent à nos ennemis avec nos ennemis pour nous détruire systématiquement, il faut bandeler ton ma de manière ya pour détacher cette indépendance là, cette dépendance là dans ba pays voisins. En l'occurrence, il y a Bandeau Nabusu et avant Katanga qui sont na côté. Il y a Zambie, il y a côté ici, Bavande, à Kabeli, Bavande, 10 000 hectares, le roi na Congo, Braza. Basi, Balon, Bamasango, Baso, Salakuna. Et Sengel Bossano, son intellect, on m'a pas na la peuple, na kati, y a dépendance, wana. Côté à Kivu, dans le baron, t'auras dit qu'à tel peu, les camarades, quand on dit qu'il y a ministre, quand on y est mort, Badia, ça a mouto à Kivu. Donc, Azali, censé, qu'on y est, bah, que non. Situation insécurité est donc persistée. Ma mesure est que nous avons toujours voté pour la raison sur le parrain. Alors, au lieu de ça, nous avons un cadre de rapport au caméra où on a facilement filmé et tient les réseaux sociaux. Tant que nous retournons à la frontière, on a tout détourné passage de la Rwanda, de la Ouganda,
en Tanzanie. Tous les Israéliens, au nord, qui vous sud, qui vous. Attends, Burundi, si possible, parce qu'on a problème dans Burundi, mais c'est encore dangereux parce que dans le futur, on ne sait pas. Mais au Tindia, au Tanganyika, à Tanganyika, au Kwenibus, au Tanzanie, au Balamoko. Normalement, le développement rural travaille avec la collaboration à l'infrastructure. Mais ce n'est pas le travail, il y a développement rural et auquel on travaille à Bandela pour faire sa réponse. Pour avoir un moussala et infrastructure, qui est un ministre, il y a un poste complémentaire. Ça ne signifie pas que mon cousin m'a ouvert à moninga. Pour un soir, qu'est-ce qu'on a dans la province d'Ingi? À qu'est-ce qu'on a nulle part? D'accord, on a quitté ça. Pour aller vivre dans ça, on va caméra, on filmer, maquiller, on s'amuse à Twitter. Pour qu'on a pas mon bouquet, quand même, on a Twitter. Sauf que si on va poster à Twitter, et si on va bosser, t'as là état à Banzela. Si on dit là, on a état où les alli peuple congolais agonisé wana, chromatique wana, au bas ici 42 barrières, hein? Na direction moko. Donc, par exemple, Bolongo qui chasse à Boke les Matadi. Exemple précis. Yangouan. Na Ndela wana, vous avez 42 barrières. Vous imaginez suite. Par barrière, $100. Vous voyez bien, vous avez un calcul. Vous calculez, s'il vous plaît. Chaque jour. Exactement, par mois, $100 na barrière. Chaque jour. Donc, ceux qui ont mis tout à mis ça, sont minés. Vous êtes dans Ndela wana, vous foudrez $400 par. Donc, 400 $ par barrière, multiplié maintenant par. 42. Bon, sous l'angle de mon avis, nous avons dit que nous calculé précis combien. 42 barrières. $100 par barrière. Là-bas, province développée. Il y a un gouverneur, il y a un bas au courant, toi, au courant. Ma place, on a compris la raté. Yo, bâti, yo, entité, boué, kamba. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer que entité na yoana. Vraiment, vous savez, vous savez, que de te battre pour t'imaginer, c'est que, bah, toi, qui ça va vous penser, na yo, c'est que, bah, toi, qui vous va penser, c'est pas ton problème. Concentre-toi dans le domaine, na yo. Sans ça, qui doit avoir un retour, on a une différence partout. Au moins, on a un bateau, il y a un quartier, on va dire, 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 pendant ce temps, le peuple qui doit bénéficier de l'initiative, nous sommes à zo pour souffrir, martyr. Très chers compatriotes, na Congo ya bongo ya passe $100 par barrière multiplié par 42 barrières na nzela ka moko. Soko soto comptabiliser toutes les nzela, hein, toutes les routes ali kuna pour na koyeba monter ko pesa combien. Mais baza est capable ya kozo ba bongo ba barrière na po ba tonga nzela. Bon, mon paradoxe, baza est capable ya kozo ba autant de $1000 on a chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour na construire ba route pour ba faciliter sur ba toute tâche. Ba tu ba foutu $100 ya barrière mais tonga ya peine de la peur au sur la paix et attendre la peine d'aller à malamu pour punir un mutu kana et tout balater tout le temps. Après on va dire eh ba tu ba ligne de bisoté au et tout ça va minérer mais c'est les gens qui ne nous aiment pas. Non, ba to baza ba barrière on a baza ba étranger, baza ba congolais. Bato singeli bato nganzela pe. Baza ba kongole. Ndenge bino bolo baka baza ba kongole. Ano singeli mout na moutou. A assume moussala na ye. On peut pas infliger autant de souffrances à un peuple déjà meurtri. À un peuple déjà affamé. À un peuple qui se bat tous les jours pour sa survie. Ça c'est insupportable. Et on peut pas comprendre que ça vienne de ceux qui sont appelés à être de Congolais. Dans le pays, il y a un souci. Pour favoriser l'émergence et la mini-entreprise, il y a supprimer le ministre de l'économie, il y a une information à Sika, il y a une mesure à Sika. Il y a un supprimer la taxe et il y a un supprimer le bloc pour favoriser l'émergence et la petite et moyenne entreprise. Mais pas la biso. Il y a une entreprise à $10,000. Il y a un mois. Dans un mois, il y a $5,000. 5,000 pour les aider. 5,000 les a ébélé, peuple congolais. Si vous avez dit que vous avez 100 fois 42, pesi, 4,200 $. Voilà, si vous avez dit que vous avez Clément, Massanga, Gabriel. Vous avez dit par jour. Si vous avez dit que vous multiplié par 7 jours, ou par 6 jours, il y a semaine, et pour multiplier par mois, vous pouvez ça combien? Vous avez dit que vous avez 4,200 multiplié par 6,
peut multiplier ngai fois 4 par la suite. Donc bon pour peut sangai toujours ta ningi ni roupe sa po. Bonjour mon ami, mon complication ningi za. Au bani mon bon on a $10,000 après un mois tika na $100. Pour mon ba ba ngai ba sangai ba on sérieté ba ninga ka ba ambiance té, za ka nyon so ka ambiance té. Ba tax so ki eleki. Ata capital et rozinda bénéfice pour moi en até. Des situations ba kongoman ni belé kati na biso. Pourquoi pas qu'on va l'inga pour entreprendre et pourquoi pas l'inga pour sa politique? Pourquoi pas l'inga pour les politiciens? Mais les politiciens font tout à travers leurs décisions pour subjuguer, pour anéantir ceux qui essayent d'innover ou d'entreprendre. Comme ça, ils vont les prendre en otage et les utiliser pour leur bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Pendant que les Bill Gates là, bah, on est pas encore influencé politique et en bon, alors ce n'est pas des politiciens. Chez nous, les politiciens font tout pour anéantir ma petite et moyenne entreprise. Jeunesse, ou autres, l'entrepreneuriat, tout ça, pour un niveau, je sais qu'il y a des adhérents dans ma parti politique, et un marathon aussi, pourquoi? Et là, quand il y a des pandaranas, autorité immorale. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais ça commencera par où? Ça, nous a mené à Yib. Nous a mené à Yib. Ils ont passé. Ils ont participé Mawa. Na ke une information obstoyé li peuple congolais. Document yango ezali na anglais, na sina traduire na kopesa bino kala mingite na groupe na kotia bino kuna. Document yango ezali 4 papiers, ezali accord au Banguna et République. Mais quand je parle de Banguna, il faut mettre l'Union européenne dessus hein. Donc faut pas croire que Banguna en ezaka a Rwanda té. Pour l'Union européenne, il y a des moto ezali na soutien na makambo. Dossier d'Ali très, 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 très grave, très cher compatriotes, peuple congolais, frères et sœurs, très, 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 très grave. Ah, Ndeko Michael, Nande, Gonangaï, Paul, Bopé Singaï, Wana, Lobingaï, 4000 fois 30 jours, Lobingaï, Wana, Boy, Fako, Lola, Poy, Fako, Sata, 20 jours, pour peut-être, bah, dimanche, peut-être, même si on est sûr que, bah, on peut supposer que, bah, cause de la tête, donc, et peut-être, $626,000 par mois. Un seul calcul n'a bien bien et puis $626,000 par mois. Ah 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 ah. Tu vois chaque mois pendant 12 mois. Hmm? Voilà quoi, il y a ma barrière. Sauf jusqu'au bas taxe et le sous sous. Oh les alliés connectent et tout ça. Zouanga y baki ça. Oh combo est en amitié. $126,000. Après, beaucoup de pour changer. On fera tout. Beaucoup pour changer. Ah bon, on fera tout peut-être en parlant, parce que voilà, c'est comme ça. Bon, on a qu'un document autoyé, le peuple congolais. Bon, quand tu n'as calculé ma camion, merci hein, pour vous accorder attention vraiment aux singles dans ma cambouango. Et Zali Malam, bon, tu as qu'à calculer, na souka, na rotanga, nyon, soa, na bo permettre, nga nan a avancé. Na souka, na rotanga. Na otanga makambo wana nyonso comme ça. Tu comprendre biso nyonso de quoi il s'agit et makambo zo kende ndenge nini po ya un ça ne va pas. Ya un ça ne va pas na mboka oyo jeunesse oyo sengeli abunda bunda po na moi si on vit na ye azali contraint ya koza la soumis. Na biloko ya pasi ndengo tozo mona wana. Bon, na kena na ba information auto yeli, na mokolo alelo, l'heure est très grave, comme je le disais. Le document, il est signé en anglais entre les ministres, y a la ministre des Affaires étrangères et Union européenne, puis na ministre des Affaires étrangères et Rwanda à l'époque, parce qu'actuellement, ba changé ye, et Zaki Biruta, Boroyo Kadenga na zo Tangawa, tous en attention particulière. J'enverrai les documents à Batumion, Soro, Bazalin, Ango, Bosenga, même si les alliés, Ngaï n'a fait si bon repos, Nazo, Yango, mais n'a qu'au Kaboulé, Ango, gratos, s'il n'y a pas de problème. Voyez, bah, que, peuple congolais, ceux qui t'ont se battre, t'es pour la survie, Nabiso, bah, oh, bah, zoko, s'auto-estimer fort, puissant, feront tout pour anéantir Biso, et ceux qui possibilité, à quoi, bah, n'a qu'au supprimer certains coins à Congo, les alliés, va hésiter de pouvoir na ko sala yango Rwanda na Union européenne na kati ya mariage mafieux pe satanique na bango ba yebi clairement que le Rwanda ne regorge absolument pas des minéraux qui sont cités dans ces documents mais au moins l'Union européenne azali na conflit na mbuya azana problème te azana esengo
assigné en gros. Non, Ukraine, les gens se font tuer. Poutine, c'est un terroriste parce qu'il extermine des Ukrainiens. Mais quand c'est pour le gros, comme les minerais là sont importants pour tout le monde dans n'importe quelle situation, personne ne parle des nombres des morts. Maintenant, nous n'attendrions pas à ce que les gens viennent les faire à notre place. Il faut tout saisir ça, car dans le comme les cas qui chaque jour, il y a au moins un dossier contre le Rwanda. Chaque jour. Si nous, on peut noter. Mais ceux qui sont payés par l'État pour faire ce travail-là, ils en font quoi? Je ne sais pas. Ma fanatique, d'abord, on va voir. Soit on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, résultat. Soit on va voir ça, 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 et le côté, donc, soit on va voir ça, on va voir ça, résultat. On va voir ça, résultat, la mise, on va voir ça, résultat. Chaque jour, il y a au moins un dossier aux obima dans le niveau de la communauté intercriminelle contre les criminels Kagame. Mais au Congo, même dans les médias, il y a public, le dossier où on a peuple congolais, et ils ont les cas inaperçus. Les médias publics, ils ont le bénin voté, ils ont comment? Dossier. Et quand des individus, voilà, qu'on se bat pour obtenir, il y aura encore, parce que tu vas voir que le voir. Ah, tika, les okansanino. Ah, ha. N'accueillis, peuple congolais, qu'autant il a vu ce document, partenariat stratégique d'abord, intitulé protocole d'accord sur partenariat stratégique sur les chaînes des valeurs des matières premières durables. Entrée, deux points. L'Union européenne, représentée par la Commission européenne et la République du Rwanda. Nuka. Point 1. Introduction et compétition politique. L'Union européenne et la République du Rwanda, si après les participants, souhaitent établir un partenariat stratégique sur les chaînes des valeurs durables et des matières premières, si après le partenariat en signant les présents protocoles d'accord dans les cadres du partenariat, les participants entendent coopérer pour parvenir à une intégration plus étroite de leurs chaînes des valeurs respectives de matières premières. Vous allez vous rappeler que Macron avait fait une déclaration il y a, je crois, au mois de juin, tout au mois d'avril, Tonini. Macron avait dit non, il faut qu'on répertorie chaîne des valeurs et minerais à Congo pour qu'on recense, on sort tout ça pour qu'on séparer, on a les alliés pour appartenir à Rwanda. C'est les mêmes mots qui est utilisé ici, chaîne des minerais, établir chaîne des valeurs et minerais, tout ça. Ils savent en faisant ce genre de bêtises que le Rwanda n'a absolument rien sur son territoire. Mais à cause du fait que pour eux, la vie humaine ne compte absolument pas, le nombre de morts que compte la RDC depuis toutes ces années à cause du Rwanda et de l'Ouganda ne compte ou ne représente rien pour l'Union européenne. Comme le Congo ne souhaite pas aller en guerre avec le Rwanda, comme le Congo ne souhaite pas s'affirmer comme un pays indépendant, le Congo offre en réalité l'atmosphère, les climats appropriés à l'Union européenne pour continuer à piller. Il n'y a pas que l'Union européenne, les États-Unis et tout ce qui va avec, le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, tous ces gens-là trouvent opportun de venir piller avec les sangs de Congolais dessus. Chaîne des valeurs et à bas minerais qui n'existent pas au Rwanda. Où ils allient abomination, ils allient Kindo qui a des rémines. De toute façon, quand tu as Trognon, tu ne peux pas réfléchir normalement. N'accueillis, peuple congolais, Kotanga. Les participants s'engagent en faveur de la transition verte et numérique. Ils reconnaissent que la sécurisation d'un approvisionnement durable en matières premières est une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs de la transition verte et numérique, notamment à la décarbonisation des écosystèmes de production d'énergie et de mobilité à l'échelle mondiale. Les participants s'engagent à assurer un développement durable conformément à l'agenda 2030, à créer une valeur ajoutée locale, à respecter le droit de chacun à étendre les chaînes des valeurs des matières premières et technologies à zéro émission nette au niveau local.
En particulier, l'Union européenne reconnaît l'ambition de la République du Rwanda de devenir un centre de transformation de plusieurs matières premières. Zambé. Donc, l'Union européenne s'engage à soutenir Rwanda pour Akoma, hein, premier pays où il y a traité la matière première en Afrique. Na Rwanda ata pondo e bota na simanda kuna biso eza rate. Eza la rate, daka sante a batu wana, daka sante na bango. Mokolo bala reza ndenga na bango, ndenga na bango te. Poso, mwani star Makenga, Makenga vaya aya na kongo a zaki bongo te. Na tango ya RCD a zaki bongo te, na tango a CNDP a zaki bongo te, na M23 a komba mwa mwenele. Po na kongo ne bisika wazo mwona ba Rwanda ba za pre ya komi bo ba kuma kongo ba kongole po ani po na ba kongo paradis o ba kretien po lo ba kaisali po na ba kongo za kongo. Donc, on a un sabotage à haut niveau de la part de l'Union européenne. Ils savent que le Rwanda ne produit rien. Le Rwanda n'a rien, peuple congolais, très cher compatriote. Nous savons tous comment ils ont pris Rubaya et comment ils sont en train d'encheminer le coltan à travers des routes qu'ils ont préfabriquées dans des forêts pour atterrir au Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda produit en termes de minerais? Qu'est-ce que l'Union européenne nous cite? Qu'est-ce que le Rwanda, dans quel coin du Rwanda on trouve l'étain, on trouve l'uranium, on trouve dans quel coin du territoire rwandais? Mais ils acceptent de faire quoi? De soutenir ce genre de bêtises. Parce qu'ils savent qu'en face, il n'y a aucune résistance, il n'y a rien. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça changera. Ça changera. Et tous les complices au niveau national et international paieront. Parce que le Congo n'appartient pas à un groupuscule de personnes. Le Congo n'appartient, le Congo n'est pas une propriété privée là-bas. Oh, bah, ils ont mis auto pour une puissance mondiale alors qu'ils ne le sont même pas. N'a continué, bah, de Valandia, c'était pourtant un document. En particulier, l'Union européenne reconnaît l'ambition de la République du Rwanda de devenir un centre de transformation de plusieurs matières premières en Afrique. Les participants s'engagent à créer des conditions favorables à un commerce bilatéral ouvert et équitable et à des investissements le long des chaînes de valeur durables de matières premières. Les participants reconnaissent en outre que l'extraction et la transformation de matières premières, ainsi que le développement des chaînes de valeur associées, doivent être poursuivis dans le plein respect des normes environnementales, sociales et gouvernementales reconnues au niveau international, y compris celles découlant des accords environnementaux multilatéraux. Le respect des droits de l'homme et l'alignement sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales avec une attention particulière accordée à la transparence, à la traçabilité et à la contribution à la prospérité et à la stabilité régionale dans les cadres des considérations environnementales, une attention particulière sera accordée à la gestion des déchets pour les projets à toutes les étapes de la chaîne des valeurs. Bonjour, ils sont en train de dire respect à droits de l'homme, respect à environnement, respect à Sokibani et tout ça. Et pourtant, ils savent clairement que sans d'abord parler de la RDC comme pays agressé par le Rwanda, il n'y a pas de droit de l'homme au Rwanda. Avec eux-mêmes, là, Kagame, avec son peuple, il n'y a jamais. Ils le savent parce qu'ils disent, ils disent être les mieux informés. Ils disent qu'ils ont tous les moyens pour accéder aux informations qui peuvent des fois échapper même aux dirigeants africains. Ils prétendent en avoir le moyen. Donc, on doit dire ici que l'Union européenne sait qu'il n'existait pas de droit de l'homme au Rwanda. Les Rwandais sont utilisés comme des cafards pour venir piller à l'est les RDC. Ceux qui essayent de riposter à cet amalgame, à ces plans machiavéliques terroristes de Paul Kagame se font exterminer systématiquement par ces derniers. Des journalistes qui essayent d'enquêter sur ces genres de situations se font éliminer par Kagame. L'Union européenne le sait pertinemment, mais elle prétend évoquer ici le respect des droits de l'homme au Rwanda, sachant, peuple congolais, que non, il n'y a jamais eu de respect des droits de l'homme au Rwanda. Donc, ces gens, en fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Ils savent tout ça. Mais pour eux, les plus importants, ils disent, oh, bah, n'y a pas besoin. Ils font semblant d'écrire des mots et comment on va faire quoi, n'abattu, qui sont en train de penser quelque chose de consistant. Mais c'est pas vrai. Ils mettent ces gens des phrases qu'on a proposé à l'unico créé par illusion. Des gens qui sont faibles mentalement vont croire, oui, l'Union européenne n'est pas avec le Rwanda. L'Union européenne respecte les droits de l'homme. D'ailleurs, l'Union européenne dans son accord avec le Rwanda, et puis ils vont rallonger des phrases pour rien dire. Ah, Nzambe. Donc, on ne va pas sur les aussi là. On va pas dormir, c'est pas qu'on va croiser les bras, on reste là, on attend. Et ouais, et s'il a échangé, on va travailler de sorte que Makambo ait changé. Et ça changera, de gré ou de force, avec le soutien ou pas de ceux qui pensent en avoir le pouvoir. Le secteur minier représente 3% du PIB rwandais. De là, il n'y a pas de minéraux au Rwanda. Maintenant, regardez, pour pas assumer qu'il n'y a pas ces minéraux-là et qu'ils sont clairement en train d'utiliser le Rwanda pour que le Rwanda tue en RDC pour voler et piller ces minéraux, ils prétendent que non, peuple congolais, PIB à Rwanda, ils allaient composer dans 3% des autres manamakambaba minéraux. Depuis que la RDC a arraché le marché de Qatari, des Saoudiens, en ce qui concerne de l'or qui était raffiné au Rwanda, dites-moi, depuis fin 2022, début 2023, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Rwanda a encore exporté quelque chose dans les Émirats Arabes Unis ou il y a le quoi or, par exemple? Disons, à part cette histoire d'accord farfelu monté de toutes pièces par l'Union européenne et le Rwanda, peuple congolais, est-ce que le Rwanda exporte des minéraux en Europe? Est-ce que le Rwanda est un vendeur de minéraux? Est-ce que le Rwanda est un producteur de minéraux? Alors pourquoi mentir au monde entier que les PIB du Rwanda, les PIB qui ressortent des minéraux est de 3%? Pourquoi vouloir mentir à l'Union européenne? Non, mais c'est quoi? Vous comprenez ce que okay, non? On a continué autant à bande de Colandia, c'était. Selon la stratégie nationale de transformation, les secteurs miniers a pour mandat de répondre à l'objectif national d'augmentation de la valeur ajoutée de produits minéraux et des carrières en attirant des investissements dans les traitements des minéraux et de la valeur ajoutée. Depuis que Bakanga, depuis que Congo a joué marché pendant les Émirats Arabes Unis, ils ont une raffinerie au Bafabatia qui n'a pas de raffinerie à Congo et Kanga déjà. Donc cet accord ici, c'est vraiment un torchon. De toute façon, comme j'ai la copie en papier ici, je vais déchirer. Pour la faire comprendre à l'Union européenne, j'ai fait même la vidéo sur TikTok. Je vais expliquer le contenu. Après, je vais déchirer les documents pour faire comprendre à l'Union européenne que le Congo est allé. Nakei, peuple congolais. Selon le NSTI, ce qui signifie Stratégie nationale des transformations des minéraux de l'industrie, l'industrie extractive, en particulier le secteur minier, devrait voir ses revenus passer de 373 millions de dollars de 2017 à 1,5 milliard en 2024. Ce secteur devrait également attirer davantage d'investissements dans la création des valeurs minérales et jouer un rôle dans la création d'emplois grâce à la création des valeurs minérales et à la transformation. Déjà, vous ne produisez rien, vous n'avez pas des choses à fabriquer ou à raffiner, vous n'avez aucune valeur ajoutée parce qu'on a des valeurs ajoutées qui sont des choses qui existent, vous n'avez rien qui existe, donc vous n'avez rien aussi en termes de valeurs ajoutées. Mais là, on parle des chiffres, en fait. Des milliards en 2024. 1 milliard. Mais tout ça, ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas arriver parce que Bato va révéler le Koyo. Baza déterminé. Ils sont en train d'enquêter sur mafia. Il y a l'Union européenne, Sima et Rwanda.
Beaucoup d'autres choses seront rêvées. De toute façon, on a annoncé qu'il y a un banda par mois à mai. On a annoncé qu'il y a un temps au Belgique, à cause d'un conflit direct. Na Rwanda, tant au fur et à mesure des stories, abîmés ces documents, parce qu'il y a des articles, des copies, des documents, des bagages, dans ces pays, des articles dans l'Union européenne, des articles dans la Maison Blanche, des articles dans l'institution, on se amène des points à refaire voir été criminel Kagame n'a plus le droit au compte à Bissikawana. Alors, tout le monde va se documenter, ma cambo, nous sommes allés plus que jamais déterminés. C'est pas pour le Congo qui les font, c'est pour leur propre bien, parce qu'ils savent que sauf que l'Union européenne a continué à faire des choses, à venir, il y a peuple européen, l'Afrique et Rosala, en danger à cause de le fait que l'Union européenne utilise le Rwanda pour déstabiliser la région des Grands Lacs. Nous allons continuer au temps à peuple congolais, document Oyo. Aïe, 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 vraiment, pas tout encourager Bazali. Ces secteurs devraient également attirer davantage d'investissements dans la création des valeurs minérales et jouer un rôle dans la création d'emplois grâce à la création des valeurs minérales et à la transformation. Ces emplois que Kagame vous ment ou cherche à créer derrière cette mafia, c'est des emplois réservés qu'aux Tutsis, parce qu'au Rwanda, les Hutus et les Toa, et baza souté. Ma vivation na kati ya liberté bazo vivre le quoi ba bazali na kati ya mboka ya ko defa bazo banga ba ya kanga bango. Mais tout ça, l'Union européenne qui prétend avoir des informations doit les savoir. Mais il ferme les yeux. Il ferme les yeux parce qu'il préfère gagner avec facilité en versant les sangs des innocents congolais. La communication vers une stratégie globale avec l'Afrique, adoptée depuis début 2020, reconnaît la nécessité d'une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Afrique pour développer un secteur des matières premières responsable, promouvoir des chaînes des valeurs industrielles sûres et propres, tout en respectant les normes environnementales et climatiques ambitieuses. Ici, ils sont en train d'évoquer l'Afrique et pourtant, pour eux, l'Afrique, c'est le Rwanda. Parce que l'Union européenne, c'est un peu l'idée avec la France, en fait. La France est en bon terme avec tous ceux qui servent la cause de la France. Tous ceux qui parlent même français, là. Quand ils sont à l'opposé de la France, en fait, ils ne méritent pas. Ils méritent pas de la considération. Ils méritent pas le respect de la France. Simplement. Quand l'Union européenne évoque l'Afrique ici, ne perdez pas de vue. L'Union européenne parle du Rwanda parce que pour eux, le Rwanda est les représentants de l'Afrique, en fait. Ah, Seigneur. Tellement ça fait mal. Nous allons continuer pour tant le peuple congolais. La proposition de 2023 pour une législation européenne sur les matières premières critiques reconnaît l'importance de développer des partenariats internationaux solides et la nécessité de rendre des ressources financières disponibles pour garantir un approvisionnement diversifié et durable en matière de minerais critiques. C'est pas possible. Ya, na sauté, na sauté paragraphe oyo, na ken na paragraphe oezali, oyo pour résumer ce qu'on est en train de dire ici clairement. Alors, point de portée du partenariat et domaine couvert. Le partenariat porte sur les matières premières non énergétiques et non agricoles nécessaires à la transition verte et numérique couvrant l'ensemble de la chaîne des valeurs. Exploration, extraction, transformation, raffinage, récupération et recyclage, ainsi que d'autres minéraux d'importance stratégique pour double transition, tout en minimisant les impacts environnementaux négatifs et en bénéficiant aux communautés locales. Le partenariat repose sur 5 piliers. On a autant à 5 piliers, on a les restes de documents, on a la deuxième partie, on a 21 heures. Dans autant à 5 piliers, on a des trucs pose. Pilier à l'Iboso, intégration de la chaîne des valeurs en matière première durable et soutien à leur fonctionnement et à leur résilience par les biais de la mise en réseau, à l'identification et du développement conjoint des projets stratégiques d'intérêt mutuel, par exemple, par les biais
des co-entreprises, de la promotion et de la facilitation de liens commerciaux et industriels et du soutien à la diversification économique. Point 2. Mobilisation des financements pour le déploiement des infrastructures nécessaires au développement du commerce pour mobiliser les financements et la coopération sur du secteur privé afin de résoudre les problèmes commerciaux, y compris l'inclusion et l'amélioration du climat d'investissement. Coopération, point 3, coopération pour parvenir à une production et à un approvisionnement durable et responsable en matière première, y compris les soutiens à la domestication des différents outils mis en œuvre dans le cadre de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Cet appui vise notamment à renforcement de la diligence raisonnable, de la traçabilité en particulier du soutien à la République du Rwanda, l'engagement du Rwanda dans l'initiative pour la transparence des industries extractives, la publication des données clés pour chaque mine et l'utilisation d'outils scientifiques pour vérifier l'origine documentée des minerais de conflit, renforcement de la lutte contre les trafics illicites et les blanchiments, y compris l'application des mesures visant à intercepter des minéraux des contrebandes entrant dans les pays et à les rapatrier dans les pays d'origine qui est le Rwanda, et l'alignement sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance reconnues au niveau international et pertinents pour ces secteurs, ainsi que le respect des accords multilatéraux applicables. Peuple congolais, vous devez vous imaginer à ces stades que toutes ces informations, tous ces objets ou matériels que l'Union européenne est en train d'énumérer, on va utiliser pour d'accord, extraire les minéraux et pour atterrir dans l'Est du Congo. C'est comme ça que vous vous posez la question. Bato va sacrer les minéraux et les minéraux. Les minéraux qui sont en train de se faire. Les missiles air sol et les minéraux. Parce que faut pas vous faire échapper dans la macanisme de Nabino. Avec tout ça, ils vous disent officiellement que non. Et ça va matière au bateau ma matériel au bateau qu'il y a qu'on utilise pour nanini pour nako collaborer na Rwanda pour nako extraire pour raffiner pour que nako exporter ba minerai. Ils savent que ces minerais n'existent pas au Rwanda, ce qui signifie que tous ces objets matériels vont atterrir à l'est du Congo. Mais il faut noter également que en dessous de ces matériels, de ces matériels seront cachés des armes qui seront utilisées comme de moyens d'extraction de ces minerais. Je sais pas si vous comprenez. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne seront jamais chez eux. Le Rwanda et le Congo ne sont pas chez eux. Que l'Union européenne appuie ou pas, ils ne sont pas chez eux. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser la violence pour extraire des minéraux qui n'existaient pas sur le sol rwandais. Ils ont dit si, selon Bamomoro, 3% il y a PIB et ils allaient composer dans les minéraux. Dans 3%, on a le Rwanda déjà prétendu affirmer sans aucune pudeur ici que non, le coltan du Rwanda dépasse en qualité celui de la RDC. Et pourtant, il n'y a jamais de coltan au Rwanda. Cette histoire d'étain, de ces matières premières que l'Union européenne signe ici avec le Rwanda. Rwanda a eu un wapi. Rwanda a eu une matière première au wapi. Après, on sera surpris. Oh non, Nengezaboye, ba missile ya na kombo ya batu ya France et kiti na Kivu kuna to mindu ke za na kombo ya pays songolo et kiti kuna mwelabwe. On est surpris de quoi? Parce que c'est de cette manière qu'ils font rentrer des armes sur les sols congolais et c'est cette manière qu'ils utilisent ces armes là pour tuer ba autochtones et comme ça pour zoaka ba minere wana pour que vous partagez. Et ba député européen pense que ça doit être révolu tout ça. Ils ont sorti ces documents parce que il y a pour documenter situation au Maneng et Bandaki qui est dans le stade actuel. Bah ingérence à Rwanda, dans Makambo ya Congo, bah ingérence à Rwanda, dans Makambo surtout il y a Union européenne au bah Rwanda au bah Kimi Rwanda bah Union européenne sont traqués. Le quoi bah moustique au bah zoko lukeba au bah moustique au bah koufa. Le Rwanda pour na bah enquêteur au ne doit absolument plus bénéficier d'un soutien
de la part de l'Union européenne. C'est grotesque de dire comme ça parce que ça risque de ne pas arriver, même si ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver pas aujourd'hui, pas demain. Mais que faisons-nous en tant que pays agressé par le Rwanda de toutes ces informations? C'est ça le problème. Parce que si de notre côté, on avait aussi mis de moyens, on avait mis la volonté, imaginons que nous puissions faire les duos, que nous puissions nous joindre à ces parlementaires européens qui veulent coincer Kagame. Nous qui avons suffisamment d'éléments, nous qui avons suffisamment de preuves qui attestent de l'esprit terroriste de Paul Kagame sur le sol congolais, on aurait pu gagner cette histoire depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais comme d'habitude, vous voyez, depuis la journée, depuis le matin jusqu'à maintenant, personne ne parle de ça. Et je parle des personnes, ça veut dire des personnalités officiellement établies dans Mboka. Personne n'évoque ça. Bah, si les Camerounais, milliards, 10 milliards, il y a. Donc, si vous avez un Camerounais, Rwanda, peuple congolais, vous devez comprendre clairement que les minerais à Congo, sur les actes, la traçabilité au Sengeli, qui ont un budget à 100 milliards. Comprenez bien ce qui se passe. Tant que vous avez un Royaume-Uni, Bazolingabaya ko défis Kagame nungu ya 10 milliards na dossier ba demandeur d'asile. En réalité Kagame ko zong sango na mbongo boete Kagame ko iba ba minerai tango ba tango okita na est kuna ba ko exploiter ba minerai donc ba ko récupérer facilement les 10 milliards ba pesa Kagame pona dossier wana. Wana ya liboso. Awa siko Union européenne pe abinisi ke non na kati ya cadre ya collaboration oyo Union européenne sengeli a aidé to sengela ki a aidé Rwanda. Parce que depuis 2020, qui nous est le programme qui a pour atteindre 1 milliard 500 millions. Grâce à l'accord où va signer Rwanda dans l'Union européenne, Rwanda en 2024, qui a atteindre le peuple congolais montant en Bongoana. Quand c'est le Rwanda, ça s'est dit 1 milliard, s'il vous plaît. Et ça, ça prouve que tout ça, c'est pas. Le Rwanda n'a rien de spécial. En tout cas, ne soyez pas complexés du genre, ouais, leadership, ouais, on a été. Rien du tout de ça. Parce que on va servir les colons. Sauf qu'il y a des ceux qui savent tirer des profits quand il faut, d'autres qui ne savent pas. Peuple congolais, très cher compatriote. Imaginons que milliards au moins sur les actes, non, minéraux dans le sol, ils bien voté. Je montre toujours au Tékaron à Molongo, qui est exemple, qui m'y a côté, qui voit, toujours exploité, ils sont morts. Donc, tout va se faire si il y a Rwanda, pour l'Union européenne, tout ça, il y a des Émirats arabes unis, il y a. Imaginez ce que le Congo est linga kezala. Tozo luka bandida wana kati ya lolaba, nzela ezalite, tozo luka bandida kati ya otuele, bazuele, sudiu bangi, noru bangi, bandida ezake, partout kuna bandida ezake, kala mambuji, bandida ezake, tout ça. Soki tozaki na possibilité ya kokanga. Makambo nyonso, et que to s'assurer que Rwanda azo a place na bisote. On a bloqué ou on a rendu des arrêtés. On serait un pays riche. Tout ça, il y a riche à nous. Richesse des arrêtés, il y a des pays qui n'ont pas de minéraux, mais qui sont plus riches que le Congo. Qui sont plus forts que le Congo. Il y a des pays qui n'ont que les arachides, du cacao, du chocolat. Ils n'ont pas de minéraux. Ils n'ont pas les uraniums pour fabriquer la bombe nucléaire. Ils n'en ont pas. Ça, c'est une information très grave de voir que l'Union européenne sait pertinemment les climats dans lesquels les Rwandais vivent chez eux, sans parler de la situation avec la RDC et le Burundi en même temps. Et que l'Union européenne accepte de soutenir ces genres de choses en fermant les yeux sur les nombres de morts qui comptabilisent la RDC au jour le jour. C'est tellement bizarre ce qui se passe, tellement bizarre que la RDC au DPA s'est positionnée pour faire valoir à Péro Azana. Non, on va s'accrocher là-bas, même partenaire au Kagame Azana. Là, on va dire que Kagame a moni danger à propos de quelque côté à Russie, ton dernier. Pour le sommet à la Chine, à la Russie, à Kenara. Mais à tout, à Kenara. Parce qu'on a danger, on a évité danger, voilà. Parce que tout peut arriver. Ce qui accorde à l'Union européenne tenait à ce que c'est la secret, parce qu'il y a des gens qui ont piété sur la souveraineté à Congo. Les gens qui ont été mis dans le monde, accorde à eux. C'est qu'il y a un malaise.
c'est qu'il y a un problème. N'oubliez pas les changements à chef ou à militaire Kagame les fait tous les jours, tous les mois. Ce n'est pas des faits pour normaliser. Il y a des gens qui disent ah, la Congolais Bolinka, distraction, tout ça, non. Les souhaits à nous ici, quand on parle, les souhaits, ce n'est pas de demander à ce que les gens croisent les bras et attendent que Kagame meure comme ça, parce que ça, il n'y a aucune garantie. Qu'à l'absence de Kagame, la paix reviendra à l'Est du Congo, il n'y en a aucune. Mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir vous étayer des faits qui sont vérifiables. Parce que tous ces articles, tous ces documents, tous ces éléments qui ressortent un peu chaque jour ou disons chaque semaine contre le Rwanda, alors qu'il y a 30 ans ou 20 ans en arrière, ça n'a jamais été le cas à cause de cette histoire de « Monsieur Batouti, tout ça qui est abandonné, et tout ça, et là, ni bon à bon. » Aujourd'hui, ces mêmes-là qui ont protégé Kagame, qui ont fait de lui ce qu'il est devenu, décide de yako sanini, yako epeseye, yako morceleye, yako sambousaye. Et c'est qu'il faut prêter attention. Parce que, et vous avez signé au soudaki, bah, tout le monde, tout le monde, pour utiliser yako contre Kagame et peut-être pour précipiter ma cam. Parce qu'avec l'Union Européenne, les Nations Unies, ça peut encore prendre beaucoup de temps. Ils ont tout le temps d'ailleurs ça, ma bonne, mais ce qu'on voit, bah, ici, bah, information, tout ça, ça va changer. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on sort ces genres de documents, qu'on sort ces genres de révélations. Mais bon, ça ne va rien changer, vous le savez, hein, ça va changer, mais ça ne nous empêche pas de vous partager des informations en temps réel. Donc, le peuple congolais a snatché pause place ou toujours dans la deuxième partie pour finaliser ce que liste minéraux ou minéraux autres. Vous pouvez toujours aller sur Google, taper pour les minéraux, ils ont un monde qui n'y en a pas. Exactement. Mais bah, signer quand même accord. Baya pour exterminer ba mbwana ba zoba na ba tout ça ba congolais pour ba minerai na biso. Un jour tout ceci changera, degré ou de force, tout ceci changera. Peuple congolais, toi tu poses place ou toujours dans un instant, ne quittez pas. Merci à tous d'avoir été avec nous au cours il y a première partie, il y a actualité, restez en attente pour la suite. Merci encore.